Salut tout le monde, c'est Max Blade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend, vidéo invocation, puisque j'ai fini l'émission hebdomadaire. Donc j'ai mes 10 tickets pour faire ma petite invocation. On va la faire directement ensemble. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront en description de la vidéo directement. Donc bon, j'ai fait mes multi-quotidiennes, enfin mes single quotidiennes juste avant. On va partir sur le portail d'un an, utiliser les 10 tickets, on va voir si on a un petit peu de chance. Je ferai également très prochainement une vidéo, le compte après les 1 an. Je l'ai fait avant les 1 an, là je vais le faire après, voir le up que le compte a pris pendant cette célébration. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire également ce que vous avez pensé des 1 an du jeu. On fera peut-être un petit live discussion si je ramène assez de monde dessus. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez que ça aurait pu être amélioré? Qu'on échange un peu nos idées dessus. Pour ma part, je suis plutôt satisfait, mais on verra un peu plus pendant cette vidéo ou ce live, justement sur les 1 an. Là, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance. On fera également très bientôt aussi des vidéos de test des personnages qui ont été up, puisque je ne l'ai pas fait. Donc il y a le Vegeta rouge, le Vegeta violet, le C17 violet qui ramène à nouveau les cyborgs dans la méta, même si ce n'est pas dans les top tiers des teams. On va faire tant qu'on y a les 2 tickets. Très bon up pour certaines unités. Et on va très bientôt aussi tester le végétaux rouge free to play à 6 étoiles puisque je suis en train de finir de le monter. Donc dans les prochains jours, une vidéo sur le végétaux rouge free to play. Hop, bon, pour l'instant on n'a rien sur ces petites multis là. Cette vidéo là va être très rapide. C'était vraiment pour dire le faire directement en vidéo plutôt qu'en off, comme j'en fais beaucoup. Pendant un temps, je voulais faire toutes mes invocations en ligne, mais c'est malheureusement pas possible avec le travail à côté et tout ça. Donc voilà. On va également, je vais après vous montrer si je la retrouve, une autre vidéo d'une invocation que j'ai fait pour essayer de dropper le Vegeta à nouveau. Ok, donc ça on est bon. Je vais juste cacher un petit peu le téléphone, le temps d'aller chercher. Hop. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai encore. Ça doit être celle-ci. Hop. Je vais vraiment plutôt en bas. Voilà. On va regarder cette multi que j'avais fait en off. Je crois que c'est celle-là, mais je ne suis pas sûr. Ou ça, c'est ma multi quotidienne. D'hier ou d'avant-hier. Je crois que c'est ma quotidienne, celle-là. Ok, single quotidienne. Ouais, c'est ça. C'est les multi quotidiennes d'hier. Là, vous voyez que j'ai fait mes singles quotidiennes, la multi gratuite de chaque jour. Donc là, j'ai eu 5 capsules sur une single. Je me dis ça peut sentir bon. Égalité avec Freezer directement. Glissé bleu, ça sent moins bon. Et Tao Pai Pai. Pas génial. Voilà. Et là, on arrive donc sur la multi gratuite. Voilà, comme ça, on a quand même tout l'écran, c'est un peu plus joli. Donc là, sur la quotidienne, j'ai un glissé rouge, donc c'est un extrême garanti. On commence par un but aéro, un Paekwan Hero, Goku Hero, qui me poursuit sur chaque multi par jour, je l'ai.
un extrême, le Krilin. On repart sur du héros avec le Krilin à nouveau. Le Sauzer héros. Jaco héros. Un nouvel extrême, ce sera le Cell. Chaozu héros. Donc le Sauzer passe 5 étoiles. Bon, après, c'est un héros, donc s'en fiche un petit peu, mais bon. Toujours bien d'avoir des. Quitte à avoir des doublons, que ça donne au moins des limites brisées, tout simplement. Donc là, on va regarder le reste. Hop. Il me restait donc 4 tickets, je les ai fermés les autres. Et voilà. Fin de cette vidéo-ci. Je vais regarder juste, parce que je crois que je l'ai encore. Voilà. On va en mettre une autre. Qui est ici. Donc là, c'est pareil, c'est une quotidienne. J'ai enregistré plusieurs journées, en fait, puisque j'ai pas pu faire de vidéo dernièrement. Donc on va se les mettre, tant qu'à faire, vu que la vidéo est assez courte, autant les mettre là. Ça permet de voir également les chances des uns et des autres, si vous êtes plus ou moins comme d'autres joueurs ou pas. Moi, j'ai pas énormément de chance sur les invocations. Ok, un piccolo pour commencer. On s'arrêtera après celle-ci. Parce que j'ai pas record toutes mes invocations, malheureusement. Pour être clair, dans les dernières unités, j'ai eu le Bouane, j'ai eu la Pan-Abeille. La Videlle extrême. Donc voilà. On va attendre juste la petite multi. À moins que ce soit fini. Non, il y a une multi derrière encore. Voilà. La multi gratuite. Et puis on s'arrêtera là. Pour cette vidéo sur DB Légende. Je vais essayer de reprendre un rythme. Alors sur Dokkan, une vidéo par jour. Sur Légende, peut-être une tous les 2 jours, dans un premier temps, le temps de me relancer, parce que là, j'ai été un peu débordé au travail. Et on continue le Let's Play Pokémon tous les dimanches. À voir après si j'arrive à claquer d'autres choses dedans. Mais dans un premier temps, ça va être un peu compliqué d'en faire encore plus. Ok, on continue. Cell Junior. Tenshinhan Hero. Krilin Hero. Pan héros, Cell héros, Krilin héros qui me poursuit aussi lui, Freezer deuxième forme héros, je crois que c'est une multi full héros celle-là, c'est ça, full héros sur la multi gratuite par jour. On va du coup se laisser là pour cette vidéo sur Dragon Ball Légende. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur DB Légende et sur les autres jeux. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.